Barack Obama au pouvoir fait un constat. L'image des États-Unis d'Amérique n'est pas très bonne essentiellement au sein de la communauté musulmane. Et parmi ses grandes et premières démarches, c'est le discours du Caire, où il fait l'éloge de l'islam. Seulement, Barack Obama reprend d'une manière plus insidieuse le projet du Grand Moyen-Orient avec une méthodologie très différente. Il met l'émirat du Qatar en situation de sous-traitance. Le Qatar est devenu richissime grâce aux boubs gazier. Il commence par faire le programme qui est appelé le printemps arabe. Le printemps arabe, bien sûr, il commence Tunisie, Égypte, Libye, Syrie. Je ne vais pas faire tout horizon. Mais ce qui est important dans ce printemps arabe, c'est que c'était aussi une menace pour le royaume saoudien. Une menace à double titre. En premier lieu, il y a une menace directe. Le meilleur exemple, l'émirat de Bahreïn, qui est l'émirat le plus proche de l'Arabie saoudite, sachant que la famille Khalifa Bahreini est originaire de Nejd, la matrice. Et pour ceux qui connaissent pas la région, il y a un pont qui relie Bahreïn à l'Arabie saoudite, qui a été construit par Francis Wick au passage. Bahreïn, c'est un très bon laboratoire parce qu'il y a une petite majorité de chiites et une grosse minorité de sunnites. Et à Bahreïn, comme savoir des manifestations. Et là, l'Arabie Saoudite envoie des troupes à Bahreïn pour écraser la révolte. Parce que c'était inacceptable. Donc, l'exemple de Bahreïn, pourquoi c'est une menace Et aussi parce que le pays aux manœuvres du printemps arabe, c'est le Qatar. Le Qatar, c'est les frères musulmans. Qui ne sont pas du tout les amis des wahhabites. Quand je dis ce ne pas du tout des amis, c'est qu'il y a des oppositions idéologiques. Et le Qatar dispose de la richesse et dispose de leviers. Le levier important, c'est Al Jazeera. Là, on a eu des révoltes qui étaient filmées en direct. Et l'autre levier important, c'est les mêmes Sheikh Al qaradawi Sheikh al-Qaradawi s'est illustré en Tunisie quand il y a eu la mort de Mohamed Bouazizi, ce marchand ambulant qui, qui s'est immolé. Donc, c'est un suicide. Et le suicide, comme chacun sait, est interdit dans l'islam. Et Sheikh al-Qaradawi a dit que Mohamed Bouazizi est un martyr, shahid. Donc, ça a les foules. Tout ça retransmis par Al Jazeera et euh, différents leviers. Et le deuxième exemple de Sheikh Al-Qaradawi, quand la Libye commençait à bouger, il a lancé un jihad contre Kadhafi. Celui qui tue Kadhafi fait Ihsan. Ces deux exemples. Et après la Tunisie, il y a eu l'Égypte. L'Égypte qui est. Euh, l'arrière-cour de l'Arabie saoudite. Ils partagent le canal de Suez en partie leur euh, pétrole et l'Égypte commençait à bouger et tout ça c'était les Qataris et l'Arabie saoudite pendant le pétrole même en Arabie saoudite il y a eu des manifestations et là commençait à voir, les premières réformes. On a annoncé l'ouverture de certains métiers aux femmes. On a Pris quelques mesures et l'Arabie saoudite, on a pris quelques mesures pour faire de la jeunesse, on a dépensé. Et ce qui venait les Saoudiens, surtout, surtout, c'était le Qatar et les frères musulmans. Là, on a deux géopolitiques de l'islam qui s'affrontent sur le même terrain, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Donc c'est le printemps arabe, et le printemps arabe a donné, dans un premier temps, les frères musulmans élus en Égypte. Ça n'a pas duré. Ça a donné les frères musulmans en Tunisie avec un tiers, c'était la plus grosse majorité relative. En Libye, dans un premier temps, on a encouragé les frères musulmans. Mais la Libye, je ne vais pas la commenter, chacun sait ce qui est arrivé. Et ensuite... La première fois où les Qataris et les Saoudiens étaient d'accord, c'était contre le régime syrien. Parce que c'est des Alaouites, c'est des chiites. Là, ils étaient d'accord. Donc, le printemps arabe, qui est une révision, une adaptation du Grand Moyen-Orient 2.0, et qui n'a touché essentiellement que les républiques. Abstraction de l'émirat de Bahreïn. Bien sûr, à Oumène, il y a eu quelques manifestations. À Oumène, il y a eu quatre morts. Pour un sultanat aussi paisible qu'à quatre morts à Mosrat, c'est l'équivalent de 50 000 morts au Rwanda. Toutes choses égales par ailleurs. Bon. Mais on sait par la suite que le printemps arabe a aussi fait pscht. Sisi a pris le pouvoir. La Syrie continue, mais une Syrie affaiblie. La Libye devient un laboratoire et un terrain de jeu entre les Émirats avec leur allié l'Égypte. Ce n'est pas résolu, donc je ne peux pas conclure sur une actualité qui est encore, mais le printemps arabe, ça a été, comme disent les Anglais, le wake-up call des Saoudiens. Dans ce Moyen-Orient compliqué, comme disait le général de Gaulle, arrive la succession en Arabie saoudite. Et c'est le roi Selman qui est désigné. Le roi Selman chamboule l'ordre successoral et il finit par désigner son fils, prince héritier, Mohamed bin Selman. Mohamed bin Selman recommande pour sauver le régime, pour le rayonnement de l'Arabie saoudite, les pétrodollars ne suffisent pas, il faut travailler sur une nouvelle perception de l'islam à travers des nouvelles pratiques. Il avait des résistances intérieures, c'est les Wahhabites. Il a commencé par prendre des mesures, les femmes peuvent conduire, euh, il a commencé de manière graduelle. Il a fait sauter les verrous l'un après l'autre. Certains verrous étaient plus laborieux que d'autres. Et surtout, en août 2016, il nomme à la tête de la Ligue islamique mondiale Sheikh Mohammed Abdelkrim el-Isa. En lui donnant beaucoup de moyens, sa mission c'est d'améliorer l'image de l'islam, pas uniquement en parole, mais par des actions. Là, l'une des actions menées par les saoudiens, parce que les saoudiens ont leurs radicaux, leurs extrémistes, c'est les fondamentalistes, les radicaux, ils, ont, ils les ont appelés les égarés, en arabe, Varlin, qui est un mot qui se trouve dans le Coran, pour les déradicaliser. Et c'est un programme de déradicalisation qui prend du temps. Il y a des imams qui expliquent avec l'histoire, ça prend du temps. Et c'est un programme qui a commencé à prendre. Et la Ligue islamique mondiale, bien sûr, n'a pas, pas limité son action uniquement en Arabie saoudite, mais à travers le monde. Shir Mohamed Mohammed Abdelkrim Issa, c'est un monsieur qui voyage beaucoup, qui occupe le terrain sur le plan international, au point où la Ligue islamique mondiale est membre observateur de l'ONU. À partir de là, c'est une nouvelle image de l'islam. Et, euh, et le slogan a, a changé. Avant, à la naissance de l'État saoudien, c'était l'islam. Dîn wa Doula. Maintenant, avec Mohamed Ben et la Ligue islamique mondiale, entre autres, c'est l'islam Dîn wa Dunya. Donc, l'islam, on lui donne plusieurs formes. Dîn wa Dunya. Donc, l'islam n'est pas opposé à dunya. Pour prendre, Pour illustrer un cas, ici en France, où le discours prôné par la Grande Mosquée de Paris, l'islam compatible avec la république c'est ça c'est un exemple qui illustre la, déma, la démarche l'islam d'inwadounia donc on s'est radicalement éloigné de l'islam doula avec la déradicalisation et surtout avec cette démarche nouvelle pratique d'ouverture quand on dit ouverture on lutte contre les verrous. Et les verrous, c'est les Wahhabites qui sont devenus une minorité. Et Mohammed bin Salman a, a aussi une action sociétale. C'est-à-dire, il, il a parlé aux jeunes. Les Wahhabites, quand ils parlent aux jeunes, c'est un discours rigoriste. Les jeunes s'attendent à mieux. Et il a transformé l'islam en soft power. Avec des mesures d'accompagnement, bien sûr, il, il a un plan. Euh, le régime saoudien a un plan. C'est euh, 2030, la vision 2030. Et pour euh, donner des cas, l'Arabie la, saoudite va organiser la Coupe du Monde. Et le cas le plus surprenant, l'Arabie saoudite va organiser les Jeux olympiques d'hiver. Donc c'est là la, la transformation de l'islam en soft power. Bien sûr, euh, le chemin reste à parcourir. Là, ce qu'a fait Mohammed Ben Salman, il a réduit les prétentions des Qataris. Maintenant, les Qataris au pouvoir, puisque l'émir Sheikh Hamid, qui était l'émir pendant le printemps arabe, n'est plus au pouvoir, c'est son fils. Ensuite, il y a eu ces tensions, pour ne pas utiliser un autre mot, entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et, et les Émirats. Donc, Mohamed Salman n'a plus cette menace du Qatar qui lui fait de l'ombre. Et là, toujours cet exemple, l'islam d'Inwa Dunya, ce slogan fait donner à l'islam plusieurs sens et transforme l'islam en soft power avec les programmes de modernisation gigantesques. Maintenant, pour dire ce qui a changé pour conclure en une image. Avant, on partait en Arabie saoudite pour le pèlerinage, ou bien pour les affaires. Aujourd'hui, on part en Arabie saoudite pour le Festival international du film. On part en Arabie saoudite pour les compétitions. En Arabie Saoudite pour le tourisme. Et quand il y a eu le premier festival du film en Arabie Saoudite, l'entrée des artistes faisait de l'ombre au festival de Cannes, aux marches au tapis rouges du festival de Cannes, c'est-à-dire la concurrence au décolleté du jamais vu. Mais tout n'est pas gagné, mais la bonne voie est esquissée.